Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. L'étude numéro 12, qui a pour titre « Le jugement sur Babylone ». Nous accueillons aujourd'hui deux pasteurs, le pasteur Erwin Kestner. Bonjour, bonjour. Erwin. Et à ma gauche, le pasteur Gabriel Goller. Bonjour Gabriel. Bonjour. Voilà. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons avant d'entamer cette discussion. Gabriel. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Nous voulons avoir une réflexion biblique sur la vie, sur la prophétie. Et c'est pour cela que nous venons à toi, te demander l'Esprit Saint, afin que nous soyons guidés, accompagnés. C'est au nom de Jésus que nous te formulons cette prière. Amen. Amen. Voilà. Alors tout de suite, je vous invite à prendre le texte fondamental qui va nous intéresser. Il se trouve dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, au verset 4 et au verset 5 que je vais lire. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. » Alors ici, le pronom dans l'expression « sortez du milieu d'elle » désigne Babylone. On peut le trouver un peu plus haut. J'aimerais que nous puissions faire un bref récapitulatif sur ce qu'est Babylone. C'est quoi Babylone? Est-ce qu'on peut faire... C'est vrai qu'on a vu cette définition-là dans les études précédentes, mais est-ce que, Erwin, tu pourrais nous rappeler rapidement, en quelques grandes lignes, ce que c'est Babylone? Alors, dans ce contexte-là, Babylone... En tant que représentant de l'ancien Babylone historique, il y a plusieurs points. Un, Babylone est entre prétention et réalité. Déjà le nom, Bab-ilu, ça veut dire la porte envers les dieux. On va vous faire l'accès, on va vous accorder l'accès envers les dieux. Mm-hmm. La réalité, c'est Balal, c'est ce que la Bible dit, confusion. Le mot Balal veut dire confusion. Donc voilà, déjà Babylone a une prétention, mais la réalité est une autre. Deux, Babylone a été l'oppresseur du peuple de Dieu. Ça, c'est son image. Symboliquement, c'est quelque chose, c'est une puissance qui oppresse. Trois, Babylone a des péchés. Il y a surtout deux qui sont, que la Bible évoque. L'orgueil, c'est moi le Babylone que j'ai construit. Et deux, la tromperie. Le vin de l'impudicité, la manière dont elle trompe les personnes. Et maintenant, c'est la sortie du Babylone. Parce que Babylone va tomber, il faut sortir. Et la tombée du Babylone va lier tous ces points-là. Parce que Babylone va tomber à cause du fait qu'elle a une prétention qui n'est pas réelle. Babylone va tomber parce qu'elle oppresse le peuple de Dieu. Mm-hmm. Babylone va tomber parce qu'elle a des péchés. Et pour ne pas être pris dedans, donc il faut sortir. Et un point que je veux encore tout court évoquer. Et ensuite, j'aurai une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta référence? On est dans Apocalypse 18. 18:5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. À mon avis, le moment où le péché arrive au ciel, c'est le moment où Babylone essaie à imposer un autre jour de repos que le sabbat. Très bien. Alors, pour qu'on soit pratique, j'aimerais vous poser une première question. Visiblement ici, donc, ce message, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si Dieu est en train de parler à son peuple, comment se fait-il que le peuple de Dieu soit dans Babylone? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Alors, je veux tenter. Dans l'histoire de l'interprétation biblique, il y a eu des commentateurs, des personnes qui ont essayé d'identifier cette sortie comme étant une sortie permanente. À chaque moment de l'histoire, il y a une sortie. En fait, c'est le principe biblique, la notion du reste. D'accord, il y a toujours un mouvement, un point d'origine, il y a un déplacement vers. Mm-hmm. Et donc, il faut que l'Église, les croyants, les fidèles doivent rester dans cette alerte permanente. On sort toujours. Il n'y a rien d'acquis dans un certain sens. En même temps, il ne faut pas tomber dans le piège, disons, d'une contestation permanente. C'est-à-dire, imaginez la sortie comme étant le début d'une nouvelle Église et surtout commencer par nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à fonder une nouvelle Église. Mm-hmm.
L'appel qui est fait ici, c'est par rapport à un système de pensée. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Jésus l'a dit souvent, il nous envoie parmi les gens, il nous mandate à être avec des gens, mais sans adopter un système de pensée. Donc, sortez du Babylone, c'est parce que, tout simplement, le peuple de Dieu est dans cette Babylone mondiale qui est de plus en plus accablante au niveau de ses contre-valeurs. Mais en même temps, il y a la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est-à-dire une mission qui est donnée à chacun d'entre nous de pouvoir résister à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui n'est pas biblique. J'aimerais juste ajouter un aspect par rapport à cet inventaire que Erwin présentait tout à l'heure sur les différentes définitions et implications du mot Babylone. Effectivement, Babel, Babylone, c'est la porte des dieux. Déjà dans le nom, il y a une contrefaçon. Parce que c'est une adoration concurrente qui se met en face de la vraie adoration. Et ça, ça va être le fil rouge dans toute l'histoire de la Bible jusqu'à la fin des temps. À savoir, d'une part, la vraie adoration, qui elle a un prix, parce qu'effectivement, prier le vrai Dieu, ça peut paraître difficile, compliqué même de nos jours, mais en même temps, il y a une récompense, il y a un salut qui est promis. Et en face de cette adoration biblique, on a cette fausse concurrence. D'accord. Et d'où l'appel que Dieu fait à son peuple de ne pas se laisser envahir par cette Babylone qui risque de l'accabler et de toujours sortir, de toujours adorer le vrai Dieu. Donc ça peut être très bien individuel, ça peut être en groupe également. L'idée étant, si j'ai bien compris vos points de vue, que chaque croyant se positionne par rapport à une vraie relation, une réelle relation avec son Dieu, pour sortir lui-même de Babylone. Disons qu'il y a une interprétation historique, et Erwin l'a rappelé, la chute de Babylone, donc un événement lié à une époque, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. On peut avoir une autre identification dans l'histoire du christianisme, de l'interprétation prophétique au 19e siècle, où il y a un mouvement de recherche par rapport à la Bible, mais il y a aussi un niveau d'interprétation eschatologique aussi, et personnel également, qui est très important. C'est-à-dire que moi, je suis appelé, au-delà de ces interprétations qui restent valables, moi aussi à faire mon application à moi-même. Je suis appelé à adorer le vrai Dieu, je suis appelé à sortir, à ne pas rester, donc à faire un mouvement, à se déplacer vers la vraie adoration aussi. D'ailleurs, Jésus avait dit, Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et je vais les appeler, ils vont entendre ma voix. Et je pense que, eschatologiquement, c'est cela. C'est le peuple visible de Dieu, on considère que c'est une église avec un message clair, mais Dieu a des personnes qui l'aiment, qui sont dans d'autres églises, qui sont sans église éventuellement, et qui peuvent être dans ce que nous appelons Babylone, un système qui est faux, mais ces personnes-là aiment Dieu et ils vont sortir au moment venu. Très bien, ok. Il y a une deuxième image que j'aimerais souligner ici. D'ailleurs, on a commencé à en parler, c'est l'accumulation de péchés. Alors, moi qui suis très pragmatique, je vois... Enfin, en tout cas, l'approche est curieuse à mon sens. Donc, il s'avère que Dieu va intervenir que quand le niveau de péché va être élevé. Donc, si je fais un petit péché, donc tout va bien, il ne va pas intervenir. Mais on a l'impression ici que, voilà, là, vous vous êtes allé trop loin, et là, maintenant, je vais intervenir. Alors, c'est biblique. Ouais. D'ailleurs, Dieu dit à Abraham, tu vas partir, parce que le péché des Amorites n'est pas encore arrivé... Ça veut dire qu'on peut pécher, alors? Ça veut dire que Dieu a de la patience. Oui, d'accord. Dieu a de la patience avec moi, avec nous, en tant que personne, mais il y a toujours une limite. Et Dieu a de la patience, et là, on en discute d'une institution, d'une église. Dieu a la patience avec une église, Dieu a la patience avec une nation. Donc, un certain temps, Dieu va avoir la patience. Mais au moment où c'est trop, c'est trop. D'accord, la limite est où maintenant? On va essayer de définir la limite. Alors, visiblement, il y en a une. Oui, c'est pour te conforter, mais
tu ne peux pas continuer à faire des petits péchés. Apparemment, je suis en sécurité si je fais des petits péchés. Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. C'est que l'expression ici fait allusion, elle a un arrière-plan biblique, et ça nous rappelle des descriptions qui sont dans le livre de Daniel, à savoir cette corne qui monte, monte jusqu'à à Dieu. Donc il y a un mouvement, une description qui est là. Ce sont des images qui se recoupent pour dire une chose qui est vraie aussi dans la vie des hommes, mais aussi dans la vie des empires, des nations, à savoir le curseur du temps. Dieu, à un moment donné, décide d'intervenir parce qu'il est justifié dans son action. Ce n'est pas une tolérance, ce n'est pas un compromis qui est expliqué ici, une manière de dire « vous pouvez continuer, ce n'est pas encore grave ». C'est une idée qui dit au contraire, il y a de la grâce, il y a de l'amour, il y a encore de la patience. Donc il ne faut pas tourner l'amour de Dieu dans quelque chose qui ressemble à une sorte de faiblesse. Mais c'est au contraire, c'est un point fort que Dieu exprime ici, à savoir, le temps n'est pas encore mûr pour cette action d'intervention. Le péché reste toujours un péché. Ouais. Alors bien évidemment, chers internautes, vous avez bien compris que je ne vous invitais pas à faire de petits péchés, simplement pour stimuler nos invités. Alors j'aimerais que nous puissions passer maintenant à un deuxième point qui me paraît être intéressant. Je vais vous inviter à lire 7 versets avec moi qui se trouvent dans le chapitre 17 d'Apocalypse, Apocalypse 17, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse 7, verset 1 à 7. « Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6, « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonner ? Mais je dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » On va s'arrêter ici. Alors je crois que si l'on veut faire peur à quelqu'un, on lui lit ces sept versets. Et là, on va dire, soit à l'Apocalypse, je n'y comprends absolument rien, donc ce n'est pas pour moi. Mais nous savons également que l'Apocalypse est un message pour nous. Donc il y a des symboles à pouvoir décrypter, des éléments à pouvoir cibler. Que signifie tout cela? Que doit-on comprendre de tous ces symboles? Alors je vous laisse la primeur de commencer par le symbole qui vous intéresse. Alors, qui veut commencer? Alors, je vais dire un peu les symboles. Et puis, donc, la prostituée, c'est assez simple. Une femme représente une église. La femme pure représente l'église de Dieu. Oui. Donc, la prostituée représente un système religieux qui est apostasié et qui amène les gens, faux enseignements, qui les amène à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Après, la bête, c'est aussi assez simple, dans le sens où nous avons déjà étudié Apocalypse 13, surtout. La bête représente une puissance politique cette fois-ci. D'accord. Ce qui est beaucoup plus intéressant est que la prostituée, la femme, va chevaucher la oui, bête. C'est curieux, donc, ça. Donc, il y a déjà une unité entre une puissance religieuse, une puissance politique, et ça nous rappelle l'image de la bête. Oui. Et la puissance religieuse a le primat. C'est apparemment la puissance religieuse qui utilise la puissance
politique, afin d'obtenir ce qu'elle veut. Parce que c'est elle qui est au-dessus de la bête, voilà, hein, pour la diriger schématiquement. Très bien. Après, on pourrait entrer en quelques détails. Le nom est donné Babylone la Grande. Donc, la femme est nommée. On a parlé déjà de Babylone. Et dans ce sens-là, la dernière chose que je vais dire dans ce contexte est qu'il s'agit du Babylone du temps de la fin. Donc, il s'agit d'une unité, d'une alliance des forces qui sont contre Dieu. Pour être un peu plus précis, l'interprétation de l'Église adventiste nomme ici le système papal, avec le protestantisme apostasié et avec le spiritisme qui vont s'unir donc pour imposer les desseins du dragon de Satan. Alors, le verset 7 nous permet d'avoir une clé de lecture et c'est un peu le schéma qui existe dans les prophéties. Le verset 7 dit, l'ange me dit, donc il y a une coupure dans le récit, pourquoi t'étonnes-tu, je te dirai, le mystère de la femme et de la bête, etc. C'est le schéma que nous trouvons en général dans les prophéties, mais aussi dans les visions, dans les songes. La manifestation prophétique passe par là. D'abord, la personne a une vision, a une description remplie des symboles, etc. Et dans la deuxième partie, signification. On a la signification, on a le mot d'emploi, l'explication. Et il faut d'abord partir de l'explication donnée à l'époque et ensuite voir s'il y a des éléments qui restent à accomplir par la suite. Ne pas, et ça c'est important, cette précaution, ne pas tomber dans le piège de voir directement dans le texte des applications que nous donnons, nous, au texte, maintenant, par raccourci, par des amalgames. Donc il est important de voir à quoi l'ange, ou celui qui apporte l'explication, fait référence dans la vision pour l'époque. Et là, il est dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Donc il y a une, disons, une possible identification. D'abord, vous remarquerez la façon dont les verbes sont présentés. Ça rappelle quoi? Ça a été, ça viendra. Vous voyez, ce sont les mêmes types de verbes qui sont présentés dans la description de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Moïse a posé la question, mais je dis que c'est qui m'a envoyé? C'est une contrefaçon. Nous avons affaire à une contrefaçon. C'est-à-dire, il y aura un Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, cette bête se permet de prendre, de récupérer des éléments qui sont dans la description du vrai Dieu, du vrai Créateur, mais on sait très bien que ce n'est pas le vrai Créateur. Donc là aussi, nous sommes sur une fausse piste d'adoration. Un deuxième élément très important aussi, c'est de voir à ce moment-là à quoi cette bête correspond. Et l'apôtre Jean est interpellé, et le premier à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite? Comment comprendre dans la succession des différents empires, des différents royaumes, cette bête qui apparaît dans un conflit que nous pouvons aujourd'hui décrypter un peu plus. Et là, nous avons quelques éléments qui font écho à l'arrière-plan biblique. Et ça serait intéressant de prendre un petit bout de papier, j'invite chacun d'entre nous à le faire, et de voir chaque mot-clé à quoi correspond dans l'Ancien Testament. Et là, vous avez des rois, vous avez des eaux, vous avez une coupe. Vous avez même un texte qui est écrit sur le front. C'est ça. À quoi cela renvoie? Oui. C'est que c'est passé toujours au sanctuaire, à savoir le grand prêtre qui, lui, avait un texte consacré au Seigneur ou à Dieu. Ce sont des éléments qui viennent de l'Ancien Testament dans un contexte relativement précis. À savoir qu'au-delà des textes qui sont parfois historiques, des textes qui sont parfois prophétiques, on a toujours
le même langage, on appelle ça intertextualité, faire comparer, discuter les textes entre eux, même s'il y a des siècles entre le moment où un texte a écrit et un autre. Mais le fil est le même, à savoir le focus est porté, le zoom, sur la question de l'adoration. Qui est au centre de votre vie ? Après, bien sûr, il y a une interprétation historique, il y a une interprétation prophétique, il y a une interprétation qui est liée à la fin des temps, donc eschatologique. Mais au centre, il y a ma personne, votre personne, qui doit se positionner aujourd'hui, j'aime bien souligner cet aspect, aujourd'hui et chaque jour, à savoir qui est mon vrai Dieu et comment je porte la vraie adoration. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Mais tu avais dit si on doit avoir peur ou… Oui, parce que ça fait peur, visiblement. Alors, ce que Dieu présente, il nous présente la réalité d'une manière symbolique de ce qui va arriver. Et le futur n'est pas toujours de telle manière qu'on doit se dire « Ok, maintenant ça va être… Tout va être OK, une époque d'or. Donc, si le futur va être difficile, Dieu le dit. Mm-hmm. Et c'est déjà une bonne nouvelle dans le sens où tu sais à quoi t'attendre et tu sais comment t'y préparer. Ce que Dieu dit ici est qu'il y aura deux options. Soit on adore Dieu, soit on adore son adversaire. Il essaye à identifier cet adversaire-là et la manière dont il agit. Et cette manière-là n'est pas une manière douce, donc ça peut faire peur, mais c'est surtout pour m'avertir, pour que je fasse le bon choix. Après, pour moi, c'est une bonne nouvelle de savoir voilà ce qui est, même si, parce qu'à la fin, nous arrivons et dit le vainqueur est Dieu. Et si tu te mets de côté de Dieu, tu seras vainqueur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous parlions au tout début de système religieux, de groupes religieux. Mais si je suis pragmatique, mais tous les groupes religieux disent adorer Dieu. Tous les groupes disent, de religieux disent, eh ben, écoutez, nous sommes en accord avec la parole de Dieu. C'est quoi la différence ? Ça serait présomptueux de notre part de dire c'est moi, c'est nous. Ouais. Ce qui est important, c'est le test, biblique. La parole de Dieu. Donc, et là, il faut l'examiner dans tous les aspects, d'une façon globale, et prendre aussi dans le détail chaque enseignement, chaque... Non pas simplement avoir une foi qui pourrait être biblique, qui est à l'origine, qui est biblique à l'origine, qui peut... nous, on n'est pas là pour contester la foi d'autres chrétiens, on n'est pas là pour dire une église a raison vis-à-vis d'une autre. Nous sommes dans une démarche par rapport à la parole de Dieu, et à savoir, est-ce que nous inscrivons dans ces démarches-là. Et donc le test, finalement, c'est la parole de Dieu elle-même. – Parfait, moi j'aime beaucoup ta réponse. – Et je vais répondre par deux textes. Il y a un texte en Ésaïe 29:13 qui dit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Donc, Dieu dit ici, ils disent qu'ils m'adorent, mais ce qu'ils font, c'est tradition humaine, ça ne vient pas de moi. Et puis Jésus, en Jean 14:15, dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc voilà tout simplement comment on peut évaluer une église. Une église ne s'évalue pas par la foi de ses membres, chacun c'est lui, mais une église s'évalue par la doctrine. Est-ce qu'elle correspond à la Bible ? En même temps, il faut qu'on soit au clair, appartenir à une église, même si elle est la vraie église, ce n'est pas une garantie pour son propre salut. Il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que ce qui est important, c'est l'adhésion à une série de valeurs bibliques, qu'on soit ou non dans la vraie église aujourd'hui ou demain. Ce qui est important, c'est d'être fidèle par rapport à Dieu. – Et pas qu'intellectuellement. – Et ensuite, cette fidélité à la parole de Dieu nous amène aussi à trouver la vraie Église. Ne faisons pas juste d'une appartenance le critère principal ou parfois unique du salut, ce qui serait un vrai danger. – Voilà, j'aimerais que nous puissions voir un dernier texte ensemble, juste avant de terminer. Je vous invite à lire Apocalypse 17, verset 14. N'oublions pas que nous avons dit que vraiment l'Apocalypse, même si ça pourrait faire peur certains, et nous avons réussi à quand même à déminer le terrain pour dire que c'est symbolique et qu'il y a une bonne nouvelle derrière.
Dans le verset 14 d'Apocalypse 17 que je vais lire, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quel message d'espoir il y a ici? Est-ce que c'est possible qu'un agneau vaincre une bête? On est dans le symbole. Oui, mais le symbole est important. D'accord, parce que voilà, c'est pas ce qui semble être le plus fort, le plus dangereux qui gagne, mais le vainqueur sera l'agneau. Et l'agneau a vaincu par le sacrifice. Et c'est voilà la méthode. C'est qui l'agneau? On peut peut-être l'identifier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, c'est Jésus-Christ qui apporte à travers son sacrifice le salut à toute l'humanité. Effectivement, quand on lit le livre de l'Apocalypse, et là j'ai à l'esprit une discussion récente que j'ai eue avec quelqu'un, en regardant le livre de l'Apocalypse, tout ce trimestre, toutes ces études. La personne me dit, mais comment on va faire? Parce qu'on n'est pas qualifié à évaluer tous ces symboles. Ça fait peur, effectivement. Ouais. Et je lui ai répondu modestement, mais je pense que chacun doit être dans cet état d'esprit. On ne comprendra pas tous ces détails. On ne saura pas à identifier sur deux colonnes qu'est-ce que ça représente chaque élément. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être intellectuellement, oui. Mais ce qui est important, et c'est là où il y a la force de ce texte, c'est de ne pas oublier la victoire qui est offerte par le sacrifice de Jésus-Christ et s'approprier cette victoire tous les jours. Si on voit ça comme un fil rouge, à savoir Jésus qui finalement va vaincre le péché et le monde dans lequel nous vivons, je pense qu'on sera gagné en étudiant le livre de l'Apocalypse. Un dernier mot, Erwin, peut-être? Alors je souligne le fait que ce n'est pas la bête, ce n'est pas les puissances qui vont gagner, mais Jésus. Ce que je dois faire, c'est me lier à Jésus. Je n'aurai plus de soucis à me faire par rapport à la fin. Pour y arriver, ça sera difficile éventuellement, mais la victoire est assurée. Qu'est-ce qu'on veut plus? J'ajoute, je disais tout à l'heure, on sera gagnant, mais on sera aussi gagné. Parfait. Voilà, chers internautes, nous avons jeté donc les bases de cette étude. J'espère que nos échanges vous ont permis d'avoir des éléments différents peut-être, mais en tout cas pour vous motiver à étudier. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine donc pour une nouvelle étude. Merci.